par arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du 25 juillet 2024, il a été nommé les membres du comité de pilotage chargé de coordonner les travaux de la conférence nationale. C'est par rapport à l'arrêté présidentiel ça que le président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils installé commencement week-end passé à membres différentes personnalités importantes qui constituaient comité pilotage conférence nationale en présence membres capitéo et diverses autres personnalités importantes. Comité pilotage ça composé à 10 citoyens mais c'est 8 qui étaient présents dans la cérémonie installation hein. Enex Jean-Charles, qui jouait rôle président, ancien premier ministre, Joram Vixama, Amari Joseph Noël, Antoine Louis, Nora Jean-François, Widline Pierre, Gédéon Charles, et ancien ministre touriste, Christine Stephenson. Comité a gagné 3 grands chantiers pour exécuter d'après président Capité, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils. Sur la réforme constitutionnelle, le nouveau projet de société pour Haïti, les relations entre l'État et la société, ainsi que sur les principales réformes dans le système juridico-politique. Edgar Leblanc-Fils exhortait le comité pilotage là pour remettre un rapport sous révision constitution 3 mois après installation. 3 mois après votre installation, le comité de pilotage devra remettre un projet final de la constitution. Si les travaux du comité de pilotage prendront fin à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif, ceux des assises de la conférence nationale se termineront 9 mois après votre installation. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Congrès et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. Cependant, Gagnon, dirigeant organisation droit monde en Haïti, agit pour Haïti, qui dit qu'il y a doute par rapport à la démarche, ça, à cause de problèmes, insécurité, pour qu'on résoudre. Qui dit conférence nationale, cela signifie que il y a un déplacement qui vient pour faire des conférenciers, pour y aller en province, pour y rencontrer les gens, etc., etc., pour demander leur doléance, pour discuter avec les autorités, et etc., etc. Bah ouais, qui côté pour le passer pour faire. C'est un dossier que nous suivons de près. Ouena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince.